Yo les goats, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le kit du Cat AMR. Alors je sais que ce kit est sorti il y a très longtemps. Il est sorti en fait le soir de la saison 6. Mais ce soir-là, j'ai fait une vidéo sur la mage en fait. Et j'ai un peu laissé tomber le kit parce que j'avais vu que ça avait pas l'air trop fou. Sympa, mais pas trop fou. Mais du coup, vu que maintenant j'ai un peu le temps, je vous fais une vidéo dessus. Comme ça, c'est fait. J'avais pas fait de vidéo. Donc c'est parfait. Donc les gars, qu'est-ce que c'est que ce kit de fou furieux? Le Jack Salvo, projectile autopropulsé avec une amélioration de la vitesse accélérée et contrôle de recul. Mais la vitesse des balles, les gars, c'est... je pense, une des stats les plus lentes de Warzone, 200 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça donne dans le stand de tir? En fait, ça lance des roquettes tout droit. Et ça ne descend pas, ça dévie pas, c'est vraiment tout droit. Il y a 100% de précision. Mais combien de temps il faut pour y aller? Très longtemps. Et là, c'est un pantin dans le stand de tir. Je vous laisse imaginer sur Warzone quand le gars est vachement loin. Bon courage pour le tuer. C'est extrêmement marrant. C'est pas du tout méta. Je pense que vous avez déjà compris en voyant ça. Une bonne nouvelle et pourquoi l'arme est très fan en vrai, c'est parce que ça one shot. Si tu touches le gars. Si tu touches le gars, ça one shot n'importe quelle distance. Là, j'ai mis 3 plaques, tu vois. Boum, explosion. Donc, c'est pas inutile non plus, mais voilà. Ce sera purement pour faire du beau jeu et que du beau jeu. Voilà la classe pendant la vidéo. Naturellement, il fallait créer une classe qui vise très rapidement. Comme ça, on peut faire, entre guillemets, un peu des quick scope en faisant des one tap. C'est un peu le but du truc. Un canon contact, c'est vraiment, c'est super sympa. Très, très marrant comme classe des ghosts. Mais bon, évidemment, ce sera pas du tout fort quand tu joues en quatuor, voilà, dans un mode un peu plus sérieux. Pour m'accompagner de ce kit, les gars, j'ai joué la détir, évidemment, comme ça, ça m'aidait beaucoup, beaucoup pour les trucs distance, parce que sinon, c'était très compliqué de jouer double sniper, enfin voilà quoi. Donc voilà les GOATS, un kit très sympa, très marrant, mais ça va pas plus loin que ça, c'est que pour du beau jeu, c'est que pour péter des gens si t'as envie, et puis voilà. Du coup, les gars, je vous propose du gameplay avec maintenant, vous allez voir quelques kills avec ce kit, et peut-être même un top 1, qui sait. Voilà, pour visionnage, on se voit demain, pour la prochaine vidéo, ciao. J'ai quoi comme arme? Bah, MTZ 556. Ça se tente, ça se tente. Oh, il a un champ de goulag. C'est une info grâce à toi, je passe CS. Ah non, non, je suis pas responsable, moi. Ah, je suis pas responsable, hein, tu passes CS. T'étais manette avant? Je veux pas être dans... Non. Il dit grâce pas à cause. Ouais, justement, je sais. C'est ça le problème. Il devrait dire à cause. Il devrait dire à cause. Grâce à toi, j'écoute Smooth Operator. Ah, ça, c'est bon, ça. Smooth Operator. Smooth Operator. Oh, ça, vous l'avez... Ah, oh, ça m'avait manqué, ça. Est-ce qu'on fait le site nord ou... Non, en vrai j'ai déjà un road déploiement. Non mais vraiment il y a un corps exactement là où j'entends le... Bon bref. 2 kills au kit 4. Fais une pause. Merdez du terrain, bougez-vous. Ok. Cette arme. Wesh, c'est quoi tout ce monde d'un coup? Il y a 4 mecs. Le gaz se rapproche, il y a une nouvelle zone de sécurité. Attention, le drone quitte la zone. Boum.
Holy shit. C'est le gars d'en haut qui a sauté. Vous êtes pourchassé par une escouade. Oh merde. Time, bro, time. Je l'ai tué la game d'avant. Non, y a pas la game d'avant, y a deux games où j'ai fait top 1. Il va être content lui. Je crois qu'en bas là il y avait un autre ouais. On va l'utiliser parce que comme ça. Chill un peu. Oh le coquin là, je vais pas le marquer. Ah ouais, deux dedans. Ah ok. Je sais pas comment viser avec cette arme de merde. C'est aussi simple que ça? Bah oui, en fait, c'est le. Ah. Les gars, j'ai cru que c'était Kit en voiture. J'ai complètement oublié la voiture. Je croyais que c'était Kit qui trollait. Vous êtes tous des ravagés sexuels, j'ai l'impression là.
des 10 cadeaux comme ça, bim bam boum. Merci beaucoup, beau gosse. Merci beaucoup. Il a dit quoi l'autre? Bon anniversaire les petits indiens. Ouais. Fallait pas trembler hein. Fallait rester solide sur les appuis. Pas trop prévu pour l'instant. Nous avons repéré une cible prioritaire en élimination. Bon anniversaire les petits indiens. Petit clip. Bro, it's closed, bro, it's closed. It's a black side, bro. Hello? Ah, you're yeah. It's you're the black cheater, side, yeah. Bro. Oh yeah, I'm the cheater, yeah. Of course. Et Serge, c'est son pote. Y'a pas de questions bêtes, y'a que des données à apprendre. Ouais, mais quand tu poses une question, comment tu sautes d'un objectif, d'un obstacle, et que la réponse est bah tu sautes. Je sais pas. You know, c'est pour ça que j'ai. Anniversaire les petits indiens. Putain cette chance. Non mais qui a fait... qui... Non mais c'est qui? C'est Aro non? C'est à cause de... C'est à cause d'Aro là tout ça là. Pourquoi celle-là elle reste coincée à fond les balles? Titre. Ah c'est Aaron ouais. Ça me rappelle quelqu'un ça. Un jour, tu vois ce qui va se passer, c'est que ce gars... Ça va être un gars normal qui a le même skin que Kit. Je suis dans la merde, je vais le laisser en vie. Bon, c'est pas un skin très commun quand même, heureusement. C'est un mortier, il me faut un peu de plaque quand même. Le gaz se déplace. Vous savez le nombre de fois qu'il est mort là, si j'ai une manette, c'est absolument ridicule. Là, c'est ridicule là. Je suis bien là alors. Je dois bouger un petit peu, mais après il va revenir vers moi le cercle.
Nice. Nice one, lad. Quelle saloperie cette arme, mon dieu. Gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée. Traces valeurs sont en jeu. Plus de risques, plus de récompenses. Évasion imminente et... Et le train. Merde. T'es resté dans la game, sûrement. Ennemi déployé. Impossible. À la limite, ça m'énerve tellement que c'est facile des fois. À la limite, hein. Et voilà, il y a des fois où je peux rien, absolument rien faire. Je comprends pas, gros. C'est juste que moi, je suis pas habitué avec le recul, je crois. Ouais, le... La vélocité surtout. Non! Ah merde, c'est un verre. Faut pas déconner! Faut pas déconner! Waouh, vous avez vu mon canon ?